une erreur qui n'est pas passée inaperçue. Samedi 6 juillet, Buckingham Palace et Clarence House ont annoncé que le petit Archie avait été baptisé dans la plus stricte intimité en la chapelle privée de la reine Elisabeth II au château de Windsor. Et pour annoncer cette heureuse nouvelle, a été dévoilé le cliché officiel de cet événement, où l'on peut voir le fils de Meghan Markle et du prince Harry, entouré de ses parents, de son grand-père le prince Charles, de sa grand-mère Doria Ragland, ainsi que de Camilla Parker Bowles, Kate Middleton et le prince William. Présente pour la première fois sur une photo de baptême royal, les sœurs de Lady Diana, Lady Jane Fellows et Lady Sarah McCorkodal, ont également posé sur ce cliché officiel. Mais Buckingham Palace et Clarence House ont fait une petite erreur dans la légende qui accompagnait ce cliché sur Twitter. Comme l'a remarqué Hello Magazine, les noms des sœurs de Diana ont été inversés. Ce n'est donc pas Lady Jane Fellows qui se tenait à côté du prince William mais bien Lady Sarah McCorkodal. De surcroît, cette dernière ne se tenait donc pas à côté de Doria Ragland, comme l'ont affirmé les deux demeures royales, avant de corriger la légende quelques heures plus tard. En invitant les deux sœurs de sa mère disparue, le prince Harry a émis un geste très symbolique, qui a notamment permis au baptême de son fils Archie de se démarquer de celui de ses cousins George, Charlotte et Louis. Et pour cause, Lady Sarah McCorkodal et Lady Jane Fellows avaient jusque-là été occultées des photos officielles des baptêmes des enfants de Kate Middleton et du prince William. Si est-il dire combien l'invitation de Meghan Markle et de son époux est un geste fort et a dû beaucoup toucher les sœurs de Lady Diana.